Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour un élargi vacances dans le thème de la plage et des coquillages. Donc j'espère que ça vous plaira. Je vous laisse avec la vidéo. Donc pour ce nail art, vous aurez besoin d'une base, d'un vernis blanc, d'un vernis bleu clair, d'un vernis beige, de la peinture acrylique rouge, de la peinture acrylique noire, de polypil, de décoration pour ongles, de colle pour faux ongles, d'un pinceau plat, d'un pinceau fin, d'un dotting tool, d'une éponge à maquillage, de la laque, de dissolvant et d'un top coat. Comme d'habitude, je vais appliquer une base avant la pose de mon vernis. Puis j'applique mon vernis blanc en deux couches. Je nettoie les contours avec un pinceau plat imbibé de dissolvant. Je viens protéger le contour de mes ongles avec du polypil ou du scotch. Ensuite, je prends une éponge à maquillage sur laquelle je vais venir appliquer du vernis bleu clair et du vernis beige et avec laquelle je vais venir tapoter tous mes ongles de sorte à faire un joli dégradé. Ensuite, je viens retirer le polypil. Et ensuite, je viens parfaire le contour de mes ongles avec un pinceau plat imbibé de dissolvant. Donc ensuite, pour faire les reflets de l'eau, on va utiliser la technique du water marble. Cette technique est très salissante, donc on va protéger notre ongle avec du polypil ou du scotch pour ensuite faciliter le nettoyage. Ensuite, pour la technique du water marble, je prends un verre d'eau à température ambiante et je viens y déposer deux gouttes de vernis blanc. Une fois que la matière est bien étirée, je viens mettre deux sprays de laque et une fois que le motif me convient, je viens plonger le doigt dedans et avec un cure-dent, je viens retirer l'excédent de matière. Ensuite, je viens retirer le polypil et je viens nettoyer les contours avec un pinceau imbibé de dissolvant. Ensuite, je viens dessiner un crabe et pour ça, je prends un dotting tool et de la peinture acrylique rouge. Et pour ça, je commence par dessiner un point, puis deux plus petits au-dessus. Et ensuite, avec un pinceau fin et toujours la peinture acrylique rouge, je viens relier les points au corps et je viens dessiner quatre petites pattes. Puis avec de la peinture acrylique blanche, je viens faire deux petits traits au niveau des petit point pour faire les pinces et ensuite avec un dotting tool je viens faire les yeux et avec de la peinture acrylique noire je viens faire les pupilles. Donc ensuite je viens coller avec de la colle à faux ongles des petites décorations là où j'en ai envie. Et pour finir, j'applique du top coat. J'espère que ce nail art vous aura plu. Merci d'avoir regardé. Et si vous voulez plus de vidéos, n'hésitez pas à vous abonner et à liker la vidéo. Bisous !